Dans la réunion Nations Unies, tant jeudi à sous Haïti, et bien représentant pays la Russie et la Chine, fait connaître que le gouvernement Ariel n'a pas qu'à résoudre crise là. Il était connecté et n'a venu avec plus de détails. Et bien, l'idée, petite Dessalines, parti politique petite Dessalines, et bien, secrétaire général, parti petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, et bien, Monsieur Marqué mourit en bagage lacrymogène jeudi à nan cadre manifestation qui est parti politique ça t'a organisé et côté était allé devant ambassade États-Unis mesdames et messieurs eh bien l'idée Moïse Jean-Charles c'est une dans l'idée qui prend plus gaz lacrymogène nan monde qui a fait manifestation dans le pays d'Haïti. Rete connecté, n'a vini avec plus de détails pour vous parce que je dis c'est gros réunion qui était faite dans les Nations Unies et sous dossier Haïti. Et puis, faut me dire, mesdames et messieurs, un pile pays parlé, mais il y a deux pays plus centrés sur c'est et la Russie avec la Chine. Restez connectés, mesdames et messieurs. N'a vini avec plus de détails pour vous en dedans tranche émission ça. Bonjour, bonsoir à la famille. Tout dépendamment de qui l'a écouté, n'a regardé et recevra tranche émission ça sur channel Maman Pemba Messac News. Une chaîne qui est là pour informer ou de tout ce qui a passé ici dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde là. J'aime toujours dire nous, c'est toujours un plaisir, un honneur pour nous capables de nous informer ou, eh bien, et avant de continuer l'information, on a demandé pour garder en bas vidéo un petit bouton qui marque s'abonner si téléphone en français et puis subscribe si en anglais, pas oublier activer la cloche notification hein, pour qu'à toujours être connecté. Donc, on a fini avec un extrait dans la déclaration Jean-Victor Généus t'es fait dans gros réunion qui était faite dans les Nations Unies, hein, mesdames et messieurs, et t'assemblée jeudi a les plus parlé des gangs. Restez connectés, mesdames et messieurs, la venez avec plus de détails pour vous. Eh bien, dans réunion Nations Unies en main jeudi a sous dossier Haïti, eh bien, pays la Russie avec la Chine fait qu'on est gouvernement Ariel Henry a pas capable résoudre crise là, il pas gain aucune légitimité. Et que l'État, même l'ONU, yo t'a dû bien réfléchir avant yo t'a décidé de voyer une force dans le pays pour pas aggraver crise de la publicité. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est pas seulement nous-mêmes en Haïti qui ouais que le gouvernement Ariel Henry a pas gagné aucune légitimité pour dossier Haïti ça, pour crise ça. Eh bien, gagner un pays la Russie avec la Chine qui fait qu'on est que gouvernement Ariel Henry a pas guère pas qu'à résoudre crise là, il pas gain aucune légitimité et que l'État même l'ONU yo t'a doué bien réfléchi avant yo t'a décidé voyer une force dans pays a pour qu'à une façon à ce que pour situation pas aggraver mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Eh bien, devant Conseil sécurité ONU, hein, je dis, représentant Fédération Russie a fait connaître situation en Haïti a vint pi grave par rapport à dernière fois yote chita sous dossier si là. Et c'est une vérité absolue, situation en vint pi grave qui accent grave, li seulement arrêté pour abcès sa pété parce que j'aimerais pays a est là et bagayo vraiment compliqué et dans le pays d'Haïti. Eh bien, dossier Haïti a dans le Conseil sécurité ONU, eh bien, pour représenter la Chine, eh bien, éliminer violence à examen, c'est un premier bagage pour ta fait, pour pays à capable ou du moins pour pays à capable retourner dans le normal. Pendant l'étape parlé, je dis à lui dit, lui appuyer sanction qu'a prend compte même gangio ak moun kap supporter gangio en Haïti. En tout cas, mesdames et messieurs, et dossier en pile dans le pays d'Haïti, n'a demandé est-ce que l'État a tendé la raison parce que de jour en jour, situation pays a vint plus compliquée, plus grave, plus plus. Donc, c'est l'État qui doit prendre responsabilité pour retirer pays a dans sa lié journée jeudi a parce que bagay yo vraiment, vraiment compliqué dans le pays d'Haïti.
Nan intervensyon li, jodi a devan Konseil Sekirite ONU, minis afè etranjè ayisyen, Jean-Victor Généus souligne violans gang yo la koz timoun yo pa ka ale l'ekol, li pale de pil problem peyi a ap fè fas, li remande sipò internasyonal nan nan gouvernement pou peyi a mesdames et messieurs. Mwen fè nou tande 2 minutes nan intervensyon et minis afè etranjè ayisyen ki se Jean-Victor Généus. Mais avant, ben, faut parler de l'idée parti politique Petite Dessalines. Jean-Charles Moïse, c'est l'idée politique qui prend plus gaz dans manifestation. Sorti 2014 pour Yves Jodia devant ambassade américaine, moi, il prend un pile gaz. Jodia, même, c'est un coup, il était paré ça pour lui, et moi, il sorti loin, Jodia. Moi, je pense que gaz, ça, yo, a bien conséquence sous la vie l'idée donc Moïse Jean-Charles prend en pile gaz mesdames et messieurs Moïse Jean-Charles manqué mourir mesdames et messieurs bagay vraiment compliqué pour leader parti politique Petite Dessalines ancien candidat à la présidence ancien sénateur ancien magistrat donc va vraiment compliqué donc jodi a nous pas parler en pile. Donc, nous connaissons, quel que soit à côté information, voyez, nous pouvons aller chercher le pouté, bah, ou dans bon timamite. Eh bien, mesdames et messieurs, j'aime te dire, nous, représentant, la France dans le Conseil de sécurité ONU en tout, fait qu'on est, la France a continué à demander tout acteur haïtien, yo, si t'as parlé, pour soutenir dans sa pays, yé, dans sa lié, je dis, ya. Il déclarait tout, la France a continué à mobiliser la communauté internationale, là, pour qu'elle vienne aider les peuples haïtiens. Donc, c'est, composé qui était fait dans Conseil sécurité ONU jeudi a. Eh bien dans intervention Jean-Victor Généus, il parlait en pile causé concernant Timon qui va à l'école concernant gang qui a bail problème dans pays a et en tout cas jeudi a là il pas dit toute bagaille sous contrôle parce que Jean peut plater courir des messieurs là, il obligé retirer dossier toute bagaille sous contrôle là. Li vin avec un discours qui plus ou moins semblait avec situation qu'a ravagé pays d'Haïti nan moment n'a vive là. En tout cas mesdames et messieurs, et pas oublier que sous channel maman Pemba Mesak News, yon chaîne qui là pour informer quel que soit côté ou yé, nous pour aller chercher information pour te ba ou nan bon timamite. C'est pour ça relé nous mettre béton mettre info quel que soit côté information yé, nous pour aller chercher menen ba ou pas oublier abonner liker partager. En coûté, mesdames et messieurs, ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus, dans Conseil de sécurité qui, dans réunion spéciale qui t'a faite dans l'ONU sous situation pays d'Haïti. En coûté, mesdames et messieurs. J'ai la délicate mission de porter devant le Conseil de sécurité le cri de détresse de tout un peuple qui souffre et de dire à haute et intelligible voix que les Haïtiennes et les Haïtiens ne vivent pas, ils survivent. Je parle au nom des 4 millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause de la violence des gangs. Je parle aussi au nom de ces femmes et jeunes filles qui ont été violées. Je parle aussi de ces innocents qui ont été assassinés. Monsieur le Président, ces dernières semaines, on assiste à une dégradation considérable de la situation socio-économique du pays. Le terminal pétrolier de Thor à l'entrée sud de la capitale éprouvait beaucoup de difficultés pour livrer le carburant par les voies habituelles du fait de l'action des gangs qui contrôlaient le quartier. Le 12 octobre 2022, c'est le terminal pétrolier de Vareux, le plus important du pays qui est occupé et contrôlé par des gangs armés. Les tentatives des forces de l'ordre pour débloquer la route ont échoué et se sont heurtées à des tirs d'armes de gros calibre. Cette situation a causé une pénurie de carburant et a entraîné des conséquences catastrophiques pour le pays. Des hôpitaux ont dû fermer leurs portes ou réduire considérablement leurs activités. L'eau potable ne coule plus dans les robinets. Les stations de pompage sont à l'arrêt faute de carburant. Le transport public est réduit.
L'approvisionnement de la capitale et des villes de province en denrées alimentaires devient difficile et risque d'aggraver rapidement la crise humanitaire. 12 000 emplois sont menacés dans la zone franche de Caracol qui risque de fermer ses portes, incapable de s'approvisionner en carburant. La suppression de la subvention publique du carburant a été l'une des causes de la turbulence sociopolitique qui a secoué le pays, se traduisant par des pires.